Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse ce matin de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à notre Église. À vous que vous vous êtes déplacés, que vous êtes ici dans cette Église construite, mais aussi à vous que vous nous accompagnez à travers Internet, dans notre Église du cœur, dans notre Église élargie. Merci pour votre présence. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez passé une bonne semaine, même avec des difficultés peut-être, avec des soucis de santé, des soucis de famille, peut-être de travail, mais en sachant toujours que Dieu est présent, que Dieu nous tient la main, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse. Donc, soyons heureuses ce matin, soyons de tous nos cœurs en remerciement pour toutes ces bénédictions que qu'il nous a déjà données. Et je vous invite à pouvoir nous exprimer à travers la louange, à chanter, à l'adorer, à ouvrir nos cœurs avec notre joie et l'inviter dans notre Église, dans notre étude de ce matin, avec sa présence. Je vous invite à vous lever et avec tout notre cœur, commencer la louange de ce matin. Jésus a dit, je donne ma vie, on ne prend pas ma vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'en ce jour, on puisse profiter de ce repos que Dieu nous donne au travers du sabbat. Recevons et prenons et profitons de la bénédiction de Jésus sur chacun d'entre nous.
sur cette même pensée qui nous apaise, sur le jour du repos, en attendant le repos avec notre Seigneur de façon éternelle, gardons la foi et la joie surtout tous les jours. Ne nous décourageons pas, parce qu'il l'a promis, il va bientôt revenir. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Chantons ensemble. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur,
parce que bientôt tu reviens. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole pour pouvoir te connaître, pour avoir une relation plus profonde avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous permets de nous réunir de façon libre et pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur pour ce jour de sabbat et pour pouvoir partager avec des chers, avec nos amis, avec nos frères, nos sœurs en toi. Seigneur, je t'en prie que ton Saint-Esprit puisse descendre sur nous, que tu puisses nous guider dans l'étude de ta parole pour que tout ce qu'on partage, tout ce qu'on puisse discuter, puisse être guidé par ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'en prie que aussi que tu puisses rester avec ceux qui sont dans leur foyer, avec ceux qui nous regardent, mais aussi tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la guerre, dans la déception. Aide-nous aussi à pouvoir les accueillir, à pouvoir les apporter seulement ce que toi tu peux nous donner, c'est ta paix, ta joie et les réconforts que seulement toi tu peux donner. Seigneur, je t'en prie que tu puisses rester avec nous dans cette étude, mais aussi dans chaque moment de notre vie, Seigneur. Je t'en prie, pas parce qu'on le mérite, sinon en ton nom. Amen. Prenons place. Quand je commençais à étudier l'école du sabbat pour cette semaine, les titres disaient « Marie et femme, ensemble à la croix ». Je ne suis pas mariée. Est-ce que ça peut me parler ? En lisant, en étudiant l'étude de cette semaine, sincèrement, je me suis sentie profondément touchée. Elle m'a appris de nouveau à revoir mes relations avec les unes, avec les autres, en mes relations personnelles, mais aussi ma relation dans cette Église, ma relation comme cette unité, ma relation comme Église avec Jésus, ma relation des familles. Je crois que des fois, on reste trop sur la surface. On a un tout petit peu peur, des fois, de creuser un peu. Mais je vous invite à partager, à discuter sur ce sujet. Et je voudrais lire les textes qui étaient les versets pour mémoriser pour cette semaine, qui se trouvent en Éphésiens 5, versets 25 à 27, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sacrifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alors je laisse le temps qui reste pour l'étude de sa parole. Aujourd'hui, on a plusieurs classes. On a, comme toujours, notre classe d'Internet, mais que vous pouvez aussi suivre à travers les auriculaires, la sono, si vous voulez. Aussi la classe des profs, la classe malgache, la classe d'Alison, la classe d'Étienne, la classe d'Annie, et aussi la classe de Richard Lehmann et Jean-Claude Berrecchia à la salle des profs, à la FAT. Et je vous souhaite une très bonne étude et on se retrouve tout à l'heure. Ouvrons nos cœurs pour que le Saint-Esprit aussi puisse nous parler et on puisse partager sa parole. Bonne étude à tous. Bonjour à tous, amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver chaque sabbat.
et de vous retrouver encore aujourd'hui. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. C'est aussi un plaisir de vous accueillir ce matin. Je suis très, très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. Là, je dois vous dire que déjà, il y a presque 2 mois, Katia a dit « Ah, moi, le 2 septembre, c'est une date qui est importante, j'aimerais participer à cette leçon. » Et alors, on est très, très honorés de vous avoir en tant que couple. Donc, je vous présente Katia et Martin. Bonjour. Qui sont là avec nous et qui sont déjà venus. Bonjour. Et qui vont représenter le couple. Et Katia, tu vas représenter les femmes. Tu en vaux 4. Tu as dit en plus que tu as quelqu'un derrière toi, donc ça va bien. Nous avons aussi la joie d'avoir Roland Meyer avec nous. Roland, vous le connaissez, il est professeur donc, de théologie, professeur émérite de théologie, un spécialiste des lettres de Paul. Et puis, ce sera Neil qui sera votre porte-parole, puisqu'il va avoir le regard fixé sur le chat. Il pourra aussi intervenir, bien sûr, en son propre nom. Et puis, Martin aussi pourra regarder. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir là sur ce thème-là. Et en fait, aujourd'hui, il va être fait mention de relations. Et peut-être que ce serait la première question que je poserai. On va lire donc dans Éphésiens 5, 21 à 33. Et puis, après, le passage continue, finalement, jusqu'au début du chapitre 6. De quel type de relation est-il fait mention aujourd'hui ? Entre qui et qui ? Roland, tu veux bien ? Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est la suite de celui qu'on a étudié la semaine passée. Et celui qu'on a étudié la semaine passée, qui était le début du chapitre 5, tournait autour des relations que Paul souhaitait que les membres de l'Église d'Éphèse puissent avoir les uns avec les autres, ou les uns entre les autres. Et à partir de ce verset 22, bien, on a une sorte d'exemple de comment l'Église pourrait ou devrait fonctionner. Et Paul prend comme exemple le couple, la famille. Et il va aller plus loin parce que ça sera l'étude qui suivra au chapitre 6. Il va aussi aborder la question des relations entre les enfants et les parents et puis entre les serviteurs et les maîtres de l'époque aussi. Donc pour aujourd'hui, ce sont plus des relations dans un cercle plus privé que purement social. Merci. Merci de nous montrer un peu le plan de notre étude. D'autres relations, Neil ? Je veux juste appuyer le fait que ça fait partie en fait, du verset 18. Quand on lit « Ne vous enivrez pas de vin, cela amène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Parce que juste après, il va donner une suite de verbes qui est au participe dans le grec. Et en fait, dans tout ça, au verset 21, il va aller sur « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Donc ça fait partie de cette relation à l'esprit, c'est-à-dire qu'on est rempli de l'esprit, voici ce qui se passe. Quand on est rempli de l'esprit, ça affecte également, non seulement on chante, mais il y a aussi la soumission qui fait partie. Et on va discuter justement dans notre leçon, c'est quoi cette soumission. Il donne des exemples concrets. Nous, on s'est concentré, aujourd'hui on se concentrera uniquement sur la relation homme-femme, on va se rendre compte que plus tard il y aura parent-enfant, puis après maître-esclave. Donc tout ça, ça fait partie de cette idée que lorsqu'on est rempli de l'esprit, qu'est-ce qui se passe ? Oui, merci, merci de cet éclairage-là. Rendre grâce et la soumission. Voilà, donc on n'est pas juste sur un nuage, mais après, dans le concret, dans la vie de tous les jours, comment cela se traduit ? D'autres relations que l'on voit dans ce passage ? Moi, je vois la relation entre l'Église et Jésus, qui est aussi éclairée par rapport à cela. Mais c'est vrai que cet aspect, le couple, parents-enfants, et serviteur et maître, Paul, il revient souvent sur ces trois-là. Je crois que c'était toi, Neil, qui nous avait fait regarder dans Colossiens chapitre 3 et de voir que finalement, c'est quasiment le même plan, la même façon de procéder de Paul, où il met le décor entre deux types de styles de vie, des croyants, des incroyants. Et ensuite, il va vers ces trois types de relations telles qu'on les voit aujourd'hui. Alors, peut-être commençons avec le premier verset, verset 21. Soumettez-vous, Galates 5, Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors, il y a des termes là. Soumettez-vous. Qu'est-ce que ça évoque, par exemple, pour toi, Katia, ce mot soumettez-vous ?
Oui, justement, j'ai même regardé dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire exactement, quels sont les synonymes de ces mots. Et dans un premier temps, c'est pas un mot pour moi, c'était pas un mot qui était forcément quelque chose de bien. Ça voulait dire que c'était, il fallait quand même être sous la direction de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Donc, on se sent déjà un peu moindre par rapport à cette autorité. Et finalement, en étudiant la lettre de Paul, je me suis rendu compte que c'était quand même, en fait, cette soumission, en fait, était tout d'abord envers... c'est moi que je l'ai compris comme ça, hein, qu'on devait se soumettre déjà à Dieu pour savoir et pour comprendre exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et si on est soumis à Dieu, c'est entre autres notre choix. Et à ce moment-là, on comprend mieux ce que veut dire ce mot. Pour moi, donc, c'est si on est soumis à Dieu, Dieu nous veut toujours du bien, donc on ne peut pas être maltraité, si je peux dire ça comme ça. Et que ce mot dans le dictionnaire n'évoque pas peut-être la même chose que dans la Bible. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il pose une question importante. Est-ce que justement ce mot dans le dictionnaire, dans notre... Vous n'êtes pas de langue maternelle française, donc ce n'est peut-être pas le premier mot que vous avez appris tous les deux. Mais quand vous avez été confronté à ce mot, ce n'était pas forcément une connotation positive. Peut-être Martin, toi, vis-à-vis de ce mot, quelqu'un qui est étranger, et puis, enfin, maintenant tu es bien français, mais qui est venu d'une culture différente, qu'est-ce que ça a évoqué pour toi ce mot? C'est-à-dire que la soumission, la première impression que moi j'avais qu'on avance, c'est qu'en fait c'est un mot plutôt négatif, soumission par la force, soumission par la peur, ou pour voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qui peut être positif. Et puis là, c'est vrai, en étudiant la lettre de Paul, il parle de la soumission, mais pas du tout en fait de la soumission que nous en fait on voit ou peut-être on peut voir dans le monde actuel. Parce que le monde actuel, pareil, la soumission, bon, on est plutôt dans l'impression d'un mot négatif, en fait. Souvent, c'est la soumission, justement, par la peur. On voit dans les familles ou dans les structures sociales. Merci de donner cet éclairage dans le monde actuel. On se rappelle le mot de 1968, « ni Dieu ni maître », qui était en opposition face à ça. Je me tourne vers toi, Roland. Hypotasso, hein, oui. C'est le terme grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est construit ce mot-là, hypotasso? Alors peut-être d'abord quelques mots d'introduction par rapport à la question de supériorité ou d'infériorité. On a beaucoup de théologiens, et parmi les nôtres également, qui considèrent que dans Genèse 1 et 2, Dieu a voulu une supériorité de l'homme par rapport à la femme. Or, quand vous lisez attentivement le texte, il n'y a aucun verset ni aucun mot qui permet d'aller dans ce sens. Il y a une parfaite égalité entre les deux. Ce n'est pas parce que l'un est façonné avant l'autre qu'il y a une supériorité. Il y a une égalité parfaite. Je fais très court là-dessus, ça serait très long de le développer. Paul va utiliser les mots maintenant qu'il connaît à son époque, auxquels il va donner des sens en fonction des contextes. Et le verbe hypotasso, il faut le remettre ici dans le contexte qu'il l'utilise et aussi surtout dans la phraséologie, dans la syntaxe. Si je prends là où s'est arrêté Neil tout à l'heure dans sa lecture, à partir du verset 19, ben vous parlez entre vous, vous avez des psaumes, des hymnes, des chants inspirés, vous chantez en jouant un chant, en psalmodiant, et puis vous rendez grâce toujours pour toute chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Virgule. Ou pas virgule, parce que le texte n'est pas ponctué, soumis les uns aux autres. Donc il n'y a pas un impératif. La phrase continue jusqu'au bout ainsi. Et donc, cette formule ici de hypotasso, qui est écrite en hypotasso menoi, est à un mode qu'on ne connaît pas en français. C'est le mode
un peu particulier qui s'appelle le mode moyen. Et lorsqu'on a un verbe comme cela au mode moyen, eh bien, on part de celui, non pas qui est le maître et qui soumet quelqu'un, mais on part de celui qui volontairement veut bien entrer dans cette démarche de soumission. Autrement dit, il s'agit d'abord d'une soumission volontaire. Et on se rappelle ici que Paul, dans le verset 21, ne parle pas du mari et de la femme. Il parle de l'Église. Donc si vous voulez que ça aille bien, bien ayez cette déférence de vous soumettre les uns aux autres. Alors, il y a ensuite dans ce verbe une multitude de sonorités possibles. Il peut vouloir dire se soumettre à, mais dans l'utilisation que Paul en fait au mot moyen, qui est un peu identique à un passif, il n'est pas question de donner à l'homme une autorité sur la femme, mais de permettre à la femme d'entrer dans une démarche, de se mettre, et je le traduis ici différemment, et c'est les spécialistes qui le traduisent ainsi, de s'abriter derrière son mari. Pourquoi s'abriter derrière? Parce que depuis Genèse 3, lorsque Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi, la domination de l'homme sur la femme n'est pas la même que la domination de l'homme et la femme sur les animaux. La domination de l'homme sur la femme est une domination protectrice. Et quant à notre verset qui nous intéresse dans Éphésiens 5, Ellen White insiste beaucoup sur la notion de protecteur de la femme. Donc le hypotasso peut signifier se soumettre à, ne signifie pas que l'homme doit soumettre sa femme, mais que la femme le fait volontairement, toujours en référence au Seigneur. Et là, Katia l'a fait remarquer tout à l'heure, la référence de tout ce texte, du verset 22, même 21 à 33, la référence est le Christ. Ce n'est pas une puissance masculine, ni une faiblesse supposée féminine, c'est l'amour du Christ. Et dans cet amour-là, qui est la référence absolue de ce texte-là, bien, il y a des propos que Paul tient à l'endroit de l'homme et des propos qu'il tient à l'endroit de la femme. Merci, ça permet effectivement de le mettre dans tout ce contexte-là. Alors, prenons déjà un moment sur cette notion de soumission que vous défendez finalement, que vous faites une genre d'apologie de la soumission dans le cadre de l'Église, puisque le premier verset, c'est dans le cadre entre frères et sœurs. Il est dit « soumettez-vous ». Donc, et tu as bien insisté sur ce mode grec qu'on ne connaît pas, mais qui veut dire moyen. C'est ce mode moyen où c'est se soumettre. C'est cette notion où on décide de se soumettre dans la crainte du Christ. Alors, ce terme crainte du Christ, se soumettre dans la crainte, donc c'est le mot phobos, mais qui peut être très très fort, si je comprends bien, puisque j'ai vu que lorsque les disciples sur la mer, ils ont peur lorsqu'ils voient Jésus comme un fantôme, il est dit qu'ils ont aussi cette phobos, cette phobie. Qu'est-ce que ça peut évoquer là, cette notion d'avoir de la crainte de Christ dans ce contexte-là? Je me tourne aussi vers vous, peut-être pour toi, Neil, cette notion de crainte de Christ, qu'est-ce que ça évoque pour toi dans le contexte de la soumission? Pour moi, ici, il a précisé dans la crainte du Christ, c'est qu'il ajoute quelque chose que la soumission, enfin, que ceux de l'époque, parce que la soumission, ce mot existait déjà à l'époque, et je crois que c'est justement pour faire la différence entre ce qu'il attend dans la crainte du Christ, dans la relation avec le Christ. Et il va l'expliquer un peu plus loin lorsqu'il va dire comment est-ce que les maris, il va faire cette comparaison avec le Christ et l'Église. Et c'est dans cette perspective que je vois, moi, cette importance d'avoir rajouté dans la crainte du Christ. Il y a une remarque qui a été dite ici, souligner, Néméhi, qui nous dit, nous sommes la femme et l'homme interdépendants, nous avons une relation d'existence, de développement et d'épanouissement. Et il va plus loin en disant, il y a une soumission mutuelle. Et en fait, c'est une question que je me suis posée quand j'ai lu ce passage-là. Est-ce que cette soumission qui est appelée, là, je vous pose également la question, est-ce que c'est quelque chose qui est unilatéral, c'est-à-dire symétrique dans les deux sens, ou bien c'est dans un sens en raison d'un motif? C'est-à-dire, je m'explique, parce que si on va dans les deux sens, c'est justement cette idée d'autorité
Parce qu'il y a deux interprétations, deux lignes, où l'une, on voit que c'est l'un par rapport à l'autre, qui doit être soumis les uns aux autres. Et c'est ce qui est demandé à l'homme et à la femme. Mais quand on regarde la comparaison, on ne peut pas... Dans quelle mesure, en fait, est-ce que c'est dans un seul sens, en raison de quelque chose, ou bien c'est seulement une soumission mutuelle, oui, je pense que c'est symétrique. Intéressante. Est-il possible d'être soumis dans les deux sens? Alors après, on ne sait plus ce que ça veut dire, finalement. Voilà. Alors qu'après, lorsqu'il est parlé de l'homme et de la femme, alors c'est des exhortations différentes à l'homme et à la femme. Hein, et puis ensuite, plus loin, lorsqu'on va avec les enfants... parents et avec les serviteurs et les maîtres, enfants. Hein, et ben là c'est aussi dans un seul sens. Hein, même c'est le terme obéissance qui est encore différent. Hein, le terme peut-être le terme obéissance que le terme de soumission. Alors comment vous réagissez par rapport dans les deux sens? Est-il possible d'être soumis dans les deux sens? Alors Roland, je te sens prêt à intervenir. Tu as soulevé tout à l'heure, juste avant l'intervention de Neil. Le mot craindre, phobéo, de nombreux mots en français ou dans toutes les langues du monde et en grec en particulier ont des sens différents. Et la polysémie, c'est-à-dire le sens des mots, va varier en fonction du contexte de la phrase. On peut avoir une crainte dans le sens de la peur. Mais on peut avoir une crainte dans le sens du respect. Et ici, le verbe phobéo exprime dans ce contexte-là, puisqu'on est dans le contexte de l'amour, l'amour n'est pas à craindre avec peur, mais l'amour est une relation respectueuse. Et la référence reste toujours le Christ et le Seigneur, ni l'homme ni la femme. Autrement dit, la crainte du Seigneur, craignez Dieu, donnez-lui gloire, c'est pas ayez peur de Dieu, c'est respecter la puissance de Dieu. Ici, respecter l'amour de Dieu, respecter l'amour de Jésus, et on le retrouvera à la fin de cette péricope, au verset 33, que l'homme aime sa femme et que sa femme respecte son mari. Donc, le verbe ou l'expression de craindre ou de crainte, ici, n'est pas à utiliser dans le sens d'une peur et d'une crainte d'une autorité supérieure, mais d'une relation bilatéral entre l'homme et la femme, qu'ils se craignent l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'ils se respectent, qu'ils s'aiment et qu'ils, quelque part, on pourrait dire qu'ils se soumettent l'un à l'autre aussi, comme il est demandé aux membres d'Église de se soumettre les uns aux autres. Alors, dans la deuxième partie de ta question, c'est comment est-il possible de réaliser cette soumission bilatérale, précisément? Moi, je crois que c'est uniquement dans le respect, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais je respecte ce que tu dis et c'est ta position. Et en respectant la position de l'autre, on vit dans la paix et non pas dans la suspicion ni dans la haine. Et c'est ça que Paul demande dans les églises, comme il le demande dans les familles. Merci pour ça. Katia. Oui, je voulais... Merci beaucoup, Roland, parce que c'est exactement ce que je me suis posé comme question, mais il y a déjà plusieurs années, à l'avance, que, en fait, comment on peut... Qu'est-ce que ça veut dire, cette crainte de Dieu? Et Dieu n'est pas un dictateur, il nous force à rien. En fait, il nous aime, il s'est donné pour nous. Et je me suis dit, comment comprendre ces mots? Et j'irai même un peu plus loin, en fait, même si tu as déjà dit. Cette crainte, c'est le respect. Mais pour moi, c'est aimer Dieu. Craignez Dieu, c'est aimer Dieu parce qu'il a tout donné pour nous. Et je voulais aussi dire que, en fait, cette crainte, pour moi, c'est vraiment, ça se passe tout dans l'amour que Dieu il a porté pour nous. Et que nous, en lui rendant cet amour, parce qu'on ne mérite absolument rien, mais il a tout donné, il a tout sacrifié pour nous. Donc, merci encore pour cet éclair. Merci. Alors, donc... Effectivement, la soumission ne se fait pas dans la peur. Hein, et ça, je pense, ça donne beaucoup de force et de confort dans la soumission s'il n'y a pas la peur qui se rajoute à la soumission. Hein.
Oui. Que tu as entièrement raison, et Katia aussi, merci. La soumission ne se fait pas dans la peur. Par contre, l'obéissance peut se faire dans la peur parfois aussi. Mais c'est un autre mot. Oui. Hein, alors justement, quelle est la différence entre se soumettre et obéir, hein? Et pourquoi il est-il dit aux femmes, il n'est pas dit obéissez à vos maris, non. Il est dit soyez soumises. Obéir, c'est le verbe upakuo. Et dans upakuo, vous avez akuo, c'est-à-dire entendez, écoutez. Donc obéir, c'est entendre ce que l'autre dit, c'est-à-dire comprendre. Et entendre, en français, c'est comprendre ce qui est dit pour le mettre en pratique aussi. Donc il y a un sens qui est très particulier à ce verbe-là, mais qui n'est pas donné ici dans les relations du mari et de la femme. Merci, ça peut éclairer effectivement. Au niveau, je ne sais pas si Martin, tu veux dire quelque chose par rapport à... En fait, je voulais juste rajouter peut-être par rapport à la soumission et obéir, une idée qui m'est venue, qu'on peut obéir, mais pas, même pas se soumettre, en fait. On peut obéir, voilà, mais pas être soumis, en fait, tout simplement. Tout à fait. On peut rester rebelle dans l'obéissance. Oui. Hein, et c'est la situation la plus explosive qui puisse être, effectivement. Voilà, le texte nous dit, en fait, et Paul nous demande voilà, de cette soumission, en fait, volontaire. Et ça devait être un processus automatique. Et puis la suite logique de connexion avec Christ, donc homme avec Christ. Et puis la femme va suivre, en fait, son mari. Mm-hmm. Alors... On va après passer au couple, mais juste pour terminer dans la soumission dans l'Église. Alors, tu nous as donné quelques explications, Roland. Hein, c'est, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'écoute et surtout je respecte ce que tu dis. Vous voyez d'autres éléments. Être soumis les uns les autres dans l'Église, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein, dans une assemblée, dans un comité, dans des projets, qu'est-ce que ça voudrait dire, hein? Je pense que, en fait, en formant une église, donc nous sommes soumis à Christ et nous sommes, pour moi, en fait, nous sommes tous égaux. En fait, il n'y a pas cette supériorité. Roland, il a déjà surligné ça, que nous sommes tous égaux puisque nous sommes, en fait, nous sommes juste soumis à Christ. Mm-hmm. Et entre nous, nous nous soumettons les uns aux autres. Donc, c'est, en fait, c'est bilatéral. Et nous n'avons pas cette supériorité les uns envers les autres. Mm-hmm. Super, merci. Cette notion de placement, parce que dans le terme soumis, il y a une notion de haut et de bas, quand même. Si ça, il n'y a pas cette hiérarchie, pour moi, en fait, au sein de l'Église. Mm-hmm. Oui, Neil. Ça va apporter comme une nuance. Pour moi, quand on dit de se soumettre, c'est une question également de respect vis-à-vis, non pas de... un qui est plus important que l'autre, mais par rapport à la fonction. On va remarquer que juste après, il va parler de la fonction. La femme doit se soumettre parce que justement, l'homme occupe une fonction de chef, pas dans le sens péjoratif, dans le sens positif. Tout comme les enfants, tout comme les maîtres vis-à-vis de leur esclave. Donc il y a cette idée qu'il y a un respect de la position des uns et des autres. Ça parle de l'unité de l'Église. Et moi, il y a cette idée-là. C'est vrai que l'un n'est pas plus important que l'autre, mais on doit quand même avoir un respect par rapport à nos leaders, nos responsables, pas dans le sens de « je suis inférieur à lui », mais sa fonction, la manière dont il... C'est comme l'Église avec le Christ, à cause de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas que Dieu nous domine, mais l'action, la fonction qu'il exerce doit nous amener justement dans cette relation volontaire de soumission, de se mettre sous son autorité. Ok, donc tu poses une question intéressante. Je pense qu'on est d'accord qu'au niveau des personnes, il n'y aura pas de différence de hauteur. Est-ce qu'au niveau des fonctions dans l'Église, est-ce qu'il y a des rôles différents, des hauteurs différentes? Est-ce que dans l'Église primitive, il y avait cette notion de hauteur différente au niveau des fonctions? Une colle, hein, peut-être. Non, ce n'est pas une colle, mais l'humain voit toujours une fonction comme une sorte de supériorité. Or, moi, j'ai considéré toujours l'Église première et puis notre Église dans son administration
comme ayant une administration horizontale et non pas verticale. C'est-à-dire que tout le monde était égal, les gens sont égaux les uns aux autres, mais il y a des métiers différents. Et en fonction des métiers, il y a des connaissances différentes. Et ces connaissances-là doivent être respectées par ceux qui ne les ont pas. Je sais pas, tu es médecin, Bernard. Tu me dis quelque chose par rapport à ta spécialité. Je peux discuter, mais je ne peux pas contester. Je n'ai pas d'argument. Donc, je vais me renseigner auprès d'autres médecins. On va discuter. Je te respecte parce que tu as une fonction différente de la mienne. Mais je ne te respecte pas parce que tu as un diplôme différent du mien, mais parce que tu sais des choses différentes que je ne connais pas. Donc le respect passe aussi, non pas par une fonction hiérarchisée, mais par une connaissance du fait que la personne a une préparation que je n'ai pas. Prenons le cas des anciens à l'époque. Le presbytéros, c'est une expression qui est une expression superlative. C'est le plus vieux de toute la bande, le plus vieux. Or maintenant, si je vois l'équipe d'anciens que nous avons dans nos églises, on a des gens très jeunes, 20 ans, 25 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont des connaissances qui peuvent profiter à l'église, mais ce n'est pas leur expérience de vie parce qu'ils n'ont pas 95 ans. Ce n'est pas la raison pour laquelle on les nomme anciens. Alors qu'à l'époque, l'ancien est un ancien. Il est vieux. Alors pourquoi choisit-on un ancien ? Parce qu'il est vieux. Parce qu'il sait, parce qu'il a une sagesse de vie, parce qu'il a une expérience de vie. Il a fait des bêtises, il est plein de sagesse, il a des difficultés dans sa vie, il a réussi et il peut partager. Alors je pense que la hiérarchie chez nous devrait, c'est un mot qu'on devrait bannir absolument, mais la fonctionnalité d'une personne, on la respecte parce que cette personne peut m'apporter quelque chose et moi je peux lui apporter autre chose. Merci, merci pour cette... cet éclairage-là, effectivement. Alors, je vous propose qu'on aille maintenant encore un peu plus dans le détail au niveau de la relation dans le couple. Et je vous propose de lire donc les versets 22 et 24 déjà, l'exhortation aux femmes. Ainsi, les femmes à leur mari, hein, c'est-à-dire se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Alors je me tourne vers toi, Katia. Quand tu lis cela, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? En fait, que de bonnes choses, finalement, maintenant, en lisant ces textes, parce que moi, je commencerai par lire... Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ. Donc c'est ça, c'est le premier verset du chapitre 5. Exactement. Je sais que quand mon mari il est soumis à Christ, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème d'être soumise à mon mari, parce que je sais que comme Christ, il a tout donné à l'Église, mon mari, il prendra soin de moi. Il fera tout le nécessaire que, dont j'ai besoin et la famille a besoin. Et donc, dans cette direction-là, dans cette soumission-là, il n'y a aucun problème. Et ça devrait être comme ça dans tous les couples. Mais je sais en fait que ça n'est pas le cas. En fait, ces versets sont souvent abusés par les gens, mais... quand on les lit comme ça, quand on prend l'exemple du Christ, cette soumission est tout à fait naturelle et elle n'est pas, en fait, c'est pas quelque chose que mon mari m'impose. C'est mon choix aussi de se soumettre à mon mari puisque lui, il est soumis à Christ. Ok, merci pour cette présentation positive hein, de ce vécu-là. Mais tu poses quand même une question. Est-ce que cette attitude de soumission, elle est conditionnelle ? Tu me dis... si mon mari est soumis à Christ, alors ça m'est facile de me soumettre. Et je vous pose la question, est-ce que finalement, si le mari n'est pas soumis à Christ, alors les choses changent ? Et de quelle façon ? Hein ? Quand j'étais jeune, lors des mariages, c'était classique que ce texte-là soit cité.
Hein, vous avez connu ça, hein, Roland a connu ça. Maintenant, c'est plus trop dans l'air du temps d'utiliser ce texte-là. Je crois que au cours des 15 dernières années, je l'ai entendu une fois, je crois, pour le mariage de ma nièce. Hein, mais à part cela, je ne crois pas l'avoir entendu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà, je pose différentes questions en vrac. Là. Voilà. Alors, je ferai une première remarque sur le vocabulaire, puis ensuite, je sortirai une citation d'Ellen White. Ouais. Je n'ai pas vraiment l'habitude de le faire, mais je pense que ça vaut la peine ici. D'abord, tu as pris le verset 22, et dans ta version, le verbe soumettre ne figure pas, non. Parce que il est, c'est une ellipse, il est présent au verset 21. Ça veut dire qu'on a une majorité de manuscrits anciens qui ne mettent pas le verbe soumettre. Par contre, on a quelques manuscrits récents qui mettent le verbe soumettre au verset 22. Voilà, mais on le trouve quand même au verset 24. Lorsqu'on établit le texte, c'est très difficile de le faire parce qu'on doit tenir compte des milliers de formules possibles. Et là, ben, le comité de travail qui a établi le Nouveau Testament sur lequel on travaille pour traduire en français dans toutes les langues, n'a pas mis le verbe soumettre, mais on le retrouve après. Mm-hmm. Alors, d'abord, il y a quelque chose qu'on ne traduit que très rarement, c'est les femmes ainsi à vos propres maris. Et on oublie le idios. Mm-hmm. En grec, il y a un idios. Idios, ça veut dire propre. Non pas au mari de quelqu'un d'autre, non pas aux hommes en général, mais c'est une relation à son propre mari. Et ça, c'est important. Et je regrette que pratiquement aucune traduction ne donne cette petite expression qui est très importante ici. Et qu'est-ce que tu vois derrière cette expression, justement? Alors, c'est assez simple à comprendre. Paul écrit aux Éphésiens, Paul écrit aux Colossiens, Paul écrit aux Corinthiens. On se trouve dans des villes qui sont des villes riches, qui sont des villes qui vivent dans la luxure, qui vivent dans la prostitution et l'échangisme. Et là, clairement, Paul met de l'ordre non seulement au sein de l'Église par rapport, et surtout chez les Corinthiens, par rapport aux relations hommes-femmes, mais il met de l'ordre aussi par rapport aux relations mari-épouse. Autrement dit, que le mari n'aille pas chercher ailleurs et la femme non plus. Et le propre mari ou la propre femme est important pour Paul de le signaler, et pour nous, c'est important de le signifier aussi. Ok. Maintenant, vas-y, continue, par rapport à la deuxième partie qu'a soulignée Katia, par rapport à la soumission à un mari qui est soumis au Christ, j'ai un petit texte là qui est tiré du Foyer chrétien d'Ellen White à la page 109 en français. De nombreux maris s'arrêtent à ces mots. Femmes, soyez soumises à vos maris, alors qu'il est nécessaire de lire la suite, comme il convient dans le Seigneur. Ce qui est demandé à la femme et qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement. Et puis, elle continue en disant, « Si le mari se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur. » Et dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Mmh. Mmh. Et alors, je pense que d'ailleurs, alors ce texte est cité dans notre questionnaire, hein, le vendredi, hein, quand il est dit « il n'est pas le mari dans le sens du terme », elle fait référence au terme anglais. Mmh. « Husband », ça veut dire « c'est le lien du foyer oui. ». Hein, et qu'effectivement, le rôle du mari, c'est à la fois d'être... protecteur de l'épouse, mais aussi d'être le lien du foyer. Il peut être considéré comme mari, comme époux, à partir du moment où il effectue ce travail de lien de la famille. Donc, si je comprends bien, Roland, tu appuies cette notion que cette exhortation à la soumission pour l'épouse est un certain côté conditionnel. Oui, absolument. Absolument. Et Ellen White le souligne aussi très, très fortement. Et dans d'autres textes, elle souligne le fait que le képhalé, on y reviendra, l'homme qui est la tête ou le chef de la femme, elle donne au mot képhalé le sens de protecteur. L'homme n'est pas un chef, un despote et un autoritaire, c'est un protecteur avant tout. Or, j'avais donné comme sens à hypotasso, le verbe se soumettre aussi, s'abriter derrière. Mm-hmm. Or, la femme a besoin d'un abri, et l'abri, dans le foyer,
il est nominativement le mari. Or, ce n'est pas une soumission à une autorité, c'est une demande de protection dans une collaboration. Il y a aussi la notion de collaboration dans Hypotasso. Ok, merci. Alors, Neil, juste pour répondre, et les internautes, on va leur donner la parole. Les internautes qui ont beaucoup réagi. Donc, Sandra souligne, le texte nous appelle à être dans l'obéissance et le respect envers le chef de famille, qui est le mari. Et Jenny parle de la soumission ne peut s'exercer dans la contrainte ou sous la contrainte. En effet, c'est, parce que souvent, on se sert, et ça a été souligné, ici, c'est un acte volontaire. On ne peut pas dire à sa femme, soumets-toi à moi. C'est, enfin, l'invitation ici, ce n'est pas de il n'y a pas au mari de dire à la femme de se soumettre, c'est à la femme volontairement d'être dans cette démarche. Deuxièmement, et c'est important ce qui a été dit, ici c'est la relation homme-femme, parce que souvent en fait, on en fait une généralité. C'est-à-dire que, comme ça a été souligné, comme si c'était la femme, il y avait la femme, et puis l'homme, et, enfin, il y a une hiérarchie entre la femme en général et l'homme. Dans la société en général. Non, là il parle bien de... C'est bien par rapport à dans le couple ici, dans une relation de couple, bien que bien avant. Et d'ailleurs, comme ça a été souligné, ça entre dans le cadre du verset 21, les uns envers les autres, parce que dans le verset 22, finalement, on trouve pas, dans certains manuscrits, on ne trouve pas dans les anciens manuscrits, on ne trouve pas le verbe soumission. Donc ça entre dans cette soumission mutuelle qui existe dans l'Église, qui doit aussi se traduire également à la fois dans ce qui suit après. Merci de montrer effectivement distinct. Je me tourne vers toi, Martin. Tu représentes un peu les maris là aujourd'hui. Hein. Pour un mari, quand il entend ça, cette exhortation à l'épouse, comment tu réagis? Alors donc, comme c'était dit déjà avant, que ce texte, il est, je pense que souvent justement détourné. Et mais moi, je vois en fait ce texte par rapport à tout d'abord moi en tant que mari, des relations avec Christ. Et puis à partir de là, en fait, c'est ce que j'avais dit déjà avant, que cette soumission de ma femme, entre guillemets, elle sera automatique. J'aurai pas besoin de lui dire, voilà, soumets-toi à moi, parce que voilà, c'est elle, ça va être une suite logique. Enfin, ça devrait être comme ça. Hein. C'est pas évident, bien entendu, c'est pas évident de voilà, mais plus ma relation avec Christ, elle est saine. Plus, en fait, elle me suit plus, voilà, dans ce sens-là, en fait. Mm-hmm. Pour peut-être donner, voilà, rapidement une expérience personnelle. Quelques années auparavant, nous avons traversé une période très difficile avec Katia. Je passerai les détails. Et puis, ma connexion avec Christ a permis justement qu'elle m'a finalement suivi plus et puis résoudre cette difficulté. Donc là, c'était vraiment très, très, très flagrant et une expérience très, très forte. C'est très intéressant de t'entendre utiliser le terme automatique. Finalement, tu ne te concentres pas pour dire à ton épouse, ah ben tu dois me soumettre. Non, tu te concentres sur ta relation avec Christ et tu dis, ça vient naturellement. Tu le vis comme ça aussi, Katia? Oui, en fait, c'est exactement ça. Et je sais, en fait, qu'on connaît aussi des couples, des amis qui traversent des périodes difficiles. Et je sais, en fait, que... Parce que nous, je donne encore, peut-être, je ne sais pas... On vient des familles catholiques et on a découvert Dieu un peu plus tard dans notre vie. On était déjà mariés. Et c'est vrai, en fait, que c'est... Le couple devrait être fondé sur le fondement qui est Christ. Étant dans l'Église catholique, normalement, c'est le cas. Mais je pense qu'on a découvert avec Martin cette fondation un peu plus tard dans notre vie. Et c'est ce qui nous a permis aussi de traverser parfois les moments difficiles. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais en mettant Christ devant nous, en les regardant tous les jours, en se soumettant à lui, c'est quand même un peu plus facile de vivre cette relation ensemble. Oui, c'est vrai qu'on a une pensée pour les personnes qui sont avec nous, qui passent par des moments difficiles dans ce domaine-là, et c'est bien de le rappeler, mais en même temps, merci de partager une expérience, un vécu qui a toute sa valeur. Roland, tu voulais? Attends, ce qu'on n'a peut-être pas fait, c'est de remettre tout ce contexte de ce que Paul dit,
dans une période qui date maintenant de 2000 ans, c'est-à-dire 20 siècles. À l'époque, lorsqu'on étudie la situation de la Grèce ou de Rome, on se rend compte qu'il y a des philosophes qui ont écrit beaucoup depuis le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui n'ont pas donné à la femme une place honorable. Mmh. Au contraire, la femme est une sorte de marchandise secondaire et le mari est le tout-puissant. Or, Paul va, dans cette situation-là, en quelque sorte remuer la situation et scandaliser peut-être les bien-pensants. Qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens quand la femme fait du bruit dans les assemblées? Il dit qu'elle se taise et si elle veut s'instruire, c'est en Corinthiens 14, verset 32, qu'elle s'instruise auprès de son mari. Ça veut donc dire que la femme, à l'époque, globalement, n'est pas instruite. Elle ne sait pas grand-chose, si ce n'est à peu près élever ses enfants, faire la cuisine et aller au champ. Mais l'instruit, ça devrait être le mari. Or, à notre époque, Paul aurait certainement d'autres mots. Mm-hmm. La femme est autant instruite que l'homme, si ce n'est plus dans bien des couples. Et donc, on ne peut pas considérer que la femme ait quelque chose à apprendre auprès de son mari et que le mari n'aurait rien à apprendre auprès de sa femme. Donc le contexte nous montre que Paul est en train de révolutionner la situation et de l'Église, parce que la synagogue ne fonctionnait pas comme cela. On remisait les femmes dans un lieu où les hommes ne les voyaient pas pour ne pas être tentés, alors que l'Église est ouverte à tout le monde. Et en même temps, la femme à la maison, c'est-à-dire l'épouse, vis-à-vis de son époux, elle est replacée dans un contexte qui n'est plus le nôtre. Et ce contexte-là, ne l'oublions pas, la femme ne connaît pas grand-chose, si ce n'est rien, et surtout pas des Écritures et de la religion. Donc, elle s'abrite derrière son mari, hypotasso. Elle se met en collaboration à son mari pour connaître plus, pour connaître mieux. Et c'est ainsi que le mari peut être considéré comme la tête de la femme. Merci, merci pour cette explication. Tu voulais dire quelque chose? Non. Il y a juste dans le verset 22, la suite, en fait, comme au Seigneur, parce que ça pourrait prêter à confusion. Est-ce qu'il est demandé à la femme de considérer finalement, pour moi c'est un exemple parallèle, ce n'est pas un exemple d'autorité ou dans le sens où la même soumission doit être faite vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire que c'est un exemple de dévotion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi ensuite il va donner un exemple qu'à l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, il va donner un exemple. Mais on constate, hein, on peut se servir de ça pour se dire voilà, tu me dois la soumission comme la soumission que tu as avec Dieu, c'est ça que je veux pour moi, Marie. Mm-hmm. C'est pas de cette façon qui va être expliquée juste après, justement. Il y a une limite à cette comme au Seigneur, à cette comparaison là. Oui, merci de le rappeler. Alors, on a vu que pour les épouses, si j'ai bien lu, il y a finalement deux mots. Il y a le mot de se soumettre et le mot, comme on l'a expliqué, et le mot de respect, respecter. Par contre, pour l'homme, il y en a une longue liste. Et j'aimerais que l'on s'arrête sur ce qui est demandé, ce qui est présenté à l'homme, hein, et voir un petit peu. Alors déjà, au verset 25, il est dit, il y a toujours le parallèle avec Christ, il s'est livré lui-même pour elle afin de... je voulais dire le verset 23. Hein, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et ensuite, effectivement, au verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Hein? Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. » Donc, je suis frappé de cette différence. Hein? Juste deux verbes pour la femme, une longue liste pour l'homme. Et d'ailleurs, si tu as le livre « Le foyer chrétien », je vois... C'est la même chose lorsqu'il est dit les qualités que l'épouse doit choisir chez le mari. Il y a une longue liste, il y en a une dizaine. Alors que pour la femme, il y a très peu. Hein? Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il est demandé? Qu'est-ce qu'il est attendu
de l'homme, hein, dans ce rôle auprès de son épouse. Qu'est-ce qui vous frappe? Peut-être toi, Katia, en tant qu'épouse, qu'est-ce que tu attends de ton mari? Alors, écoute bien, non, Martha. Déjà, en fait, cette comparaison d'un mari à Christ, donc c'est une énorme responsabilité quand même qu'on voit dans la Bible. Et comme Christ, il prend soin de son Église, il fait tout pour elle. Donc, il sait même, il prend soin de cette Église pour que cette Église soit, c'est écrit, glorieuse. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est pareil pour moi, je le comprends comme ça. C'est une énorme responsabilité. Et si mon mari déjà ne s'aime pas lui-même, il ne pourra pas m'aimer moi. Donc tout d'abord, il doit. Donc c'est pour lui aussi, c'est quelque chose. Son cheminement, il va peut-être confirmer ou pas. Son cheminement avec Christ. Si lui, en fait, il se considère, il s'aime, il pourra ensuite refléter cet amour envers moi. C'est très fort ce que tu dis. En tant qu'épouse, tu attends de ton mari qu'il arrive à s'aimer lui-même. Hein? En fait, je pense que c'est la base de. De tout ça aussi. Alors, je tourne vers toi, Martin. Hein, s'aimer soi-même, tu as l'impression que c'est un devoir envers ton épouse? Alors, je pense que voilà, on revient toujours sur le même sujet, donc cette relation avec Christ. Et puis, oui, c'est même moi-même, oui, puisque c'est l'amour du Christ qui va être. Si je n'ai pas de relation avec Christ, je ne pourrais pas, en fait, justement, comme. Alors Roland, il a souligné de protéger, pas uniquement d'aimer sa femme, mais de protéger justement de venir aux besoins de ma femme et puis de ma famille. Mais je pense que la tâche elle est difficile, c'est pas évident comme exercice, voilà, au quotidien, mais. Ok, mais, donc une tâche pas facile, celle d'être mari. S'aimer soi-même, c'est en fait aimer Dieu. Parce que s'aimer soi-même, c'est aimer la créature de Dieu. Or, je suis enfant de Dieu. N'importe quelle créature est enfant de Dieu. Et s'aimer soi-même, c'est aimer Dieu. Parce qu'il l'a créé. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de lire, Bernard, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que le mode moyen par rapport à la soumission de la femme à l'homme, c'est une volonté personnelle de la femme vis-à-vis de l'homme. Et c'est pas l'homme qui exige cette soumission. Par contre, lorsque Paul parle au mari, au verset 25, il dit « agapate », c'est un impératif. Mmh. « Aimez vos femmes ». Littéralement, « aimez les femmes » ici. Mais dans le cas de ce contexte-là, c'est « vos propres femmes ». Et donc, l'amour va jusqu'où quand on prend le Christ ici? Il va jusqu'à la mort du Christ pour sauver son épouse qui est l'Église. Or, combien de maris sont prêts à mourir par amour pour leur femme? C'est une question qu'on peut se poser. Et j'aimerais juste donner deux lignes que j'emprunte à Chantal Régnier. Chantal Régnier est une excellente théologienne catholique qui est une très bonne exégète du Nouveau Testament. Et dans son commentaire, elle dit ceci. Si le mari est la tête de la femme, c'est parce que son agir envers la femme est à l'image de celui du Christ envers l'Église. Modèle de l'amour et non en raison d'une supériorité qui lui reviendrait par nature. Donc tout revient au Christ en quelque sorte. Est-ce que tu veux encore un peu plus nous expliquer cette notion de tête, de tête et de chef? Oui. Alors, Paul emploie ici le mot képhalé, c'est-à-dire qu'on peut traduire par le mot tête, par le mot source, par le mot de ce qui ou de celui qui est. Un garant de la protection de l'autre. Je prends d'abord Jésus, comme Paul l'appelle aussi dans l'épître aux Éphésiens et dans plein de ses épîtres. Jésus est la tête de l'Église. Il utilise ce mot képhalé. Il y a en fait deux mots qui pourraient être utilisés, le mot képhalé et le mot arché. Dans le mot arché, on a une supériorité dominatrice.
Jésus, par exemple, dans Apocalypse 3, verset 14, il est le commenceur de la création de Dieu. Il est le arché. De lui sort la création. Il est l'initiateur de la création. Il en est la tête, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le terme que Paul utilise pour parler de Christ qui est la tête de l'Église. C'est toujours képhalé. Lorsqu'il parle de l'homme tête de la femme, jamais il n'emploie le mot arché. L'homme n'est pas le commandeur de la femme, ni l'initiateur de la femme. Ce mot est banni du vocabulaire paulinien par rapport à Jésus vis-à-vis de l'Église et par rapport au mari vis-à-vis de la femme. Dans les deux cas, il utilise le mot képhalé. Or, qu'est-ce que Christ fait par rapport à son Église ? Est-il le patron de l'Église qu'il dirige d'une main de fer ou est-il le protecteur de l'Église ? On le voit très bien dans le livre de l'Apocalypse. Alors que l'Église est persécutée de toutes parts, Jésus en est le protecteur qui permet à l'Église finalement de ressurgir. Or, le mot képhalé est plus lié à une dimension d'un être qui est devant pour protéger celui qui est derrière. On pourrait utiliser cette image dans le sens militaire aussi, parce qu'elle est utilisée dans les textes anciens. Le képhalé dans une armée autrefois, c'est celui qui va devant pour protéger ses troupes qui sont derrière et pour dire quand la troupe peut venir parce qu'elle est sans risque. L'adversaire est maîtrisé. Le rôle du mari, c'est de maîtriser l'adversaire en protection de sa femme. Merci, merci beaucoup pour ces explications. Nous arrivons au bout de notre temps et nous arrivons au bout de notre passage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un résumé que Paul fait. C'est le verset 33. Hein? Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Hein? C'est un peu le résumé que Paul fait. Et moi, j'aimerais envie de vous demander aussi votre résumé. Hein? Si vous devez dire, OK, il y a une idée que je garde de cette étude ce matin, voilà ce que je garderai, voilà ce que je dirai aussi à un couple qui est en difficulté. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Katia, tu aurais un mot à dire ? Alors pour moi, en fait, aimer sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, c'est la même chose. Mon mari m'aime et moi, je l'aime aussi. Et tout est, comme on a dit depuis le début, tout est fondé sur Christ. Ayons juste notre regard vers le Christ et suivons cet exemple qu'il nous a donné. Merci. Martin, toi, tu aurais un mot de la fin à nous donner ? Oui, ça reviendra un petit peu voilà, vers ce que disait Katia, qu'en fait, c'est pas évident, puisque toutes les couples, en fait, nous venons de maisons différentes, d'éducations différentes, de vécus, d'expériences différentes. Donc je pense qu'en fixant notre regard sur Christ, on arrive à avoir l'atmosphère saine à la maison, et puis c'est paix, en fait, et puis... En fin de compte, c'est l'amour que je peux propager cet amour envers elle et puis elle envers moi, oui. Merci, merci. Et puis, tu sais, le sourire de Katia, il nous rassure beaucoup. Hein. Roland. Oui, Paul parle beaucoup, Paul écrit beaucoup et parfois, ce n'est pas toujours simple à le suivre. Il parle tellement longtemps qu'il y en a qui tombent de la fenêtre du troisième étage aussi quand c'est trop long. Et je pense que le verset 33... qui commence par, en grec, « pleine », c'est-à-dire « cependant », ou on pourrait dire « en tout cas ». Et là, c'est une annonce d'un résumé de la chose. Mmh. Et il aurait pu utiliser cette simple phrase ici que tu viens de citer, que la femme respecte son mari et que le mari aime sa femme, et il aurait pu supprimer les versets 21 à 32. Mmh. C'est un résumé magistral. En une seule phrase, il a dit l'essentiel. Autrement dit, l'amour et le respect dans le couple, comme l'amour et le respect dans l'Église. Merci beaucoup. Neil, tu veux dire un mot ou dire un mot des internautes pour terminer ? Mais sinon, tu peux aussi le faire pour toi. En tout cas, je rejoins l'idée, l'amour et le respect dans la famille, dans le couple, ici, ça fait partie de ça résume bien en fait tout ce qu'elle a dit avant. C'est-à-dire que le mari... et après à aimer son épouse, et c'est un impératif,
mais en même temps, la femme est appelée à avoir ce respect vis-à-vis de sa fonction, de ce que fait le mari, dans le bon sens du terme, le mari qui comme Christ, s'est livré pour l'Église, a donné dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire l'amour et le respect. Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous rejoindre encore cet après-midi à 17h dans EDS+. Et nous vous souhaitons une bonne étude aussi pour la semaine prochaine. À bientôt. Merci à vous d'avoir été présents. Ellen White a écrit « Ceux qui aiment Dieu devraient se sentir profondément intéressés par les enfants et les jeunes. C'est à eux que Dieu peut révéler sa vérité et son salut. » Conscients de l'importance d'atteindre les jeunes de leur quartier, ville, commune et village, les membres d'églises situés dans les villes du monde entier se connectent à ce groupe spécial de différentes manières. Examinons quelques-unes des plus grandes zones urbaines des États-Unis où les adventistes s'occupent des jeunes et des enfants. Los Angeles, en Californie, est la deuxième plus grande ville du pays. Dans la grande région de Los Angeles, les membres d'une église adventiste du 7e jour vietnamienne ont compris qu'il fallait apprendre aux jeunes générations à parler vietnamien, afin qu'ils puissent communiquer avec les membres de leur famille plus âgés qui ne parlent pas anglais. L'église a ouvert la première école de langue vietnamienne de la ville. Les enfants apprennent non seulement la langue, mais se familiarisent également avec leur culture. Ce qui n'était au départ que des cours hebdomadaires est devenu un camp d'été, puis un programme extrascolaire. L'ouverture de l'école de la langue a permis aux membres de l'église de répondre à un besoin de la communauté et de servir les habitants de la ville. Chicago, dans l'Illinois, est la troisième plus grande ville des États-Unis. À Chicago, le personnel d'un centre d'influence urbain appelé ArtSpace utilise la poterie, l'artisanat, la peinture et la musique pour établir des liens avec les enfants. Situé à côté d'une aire de jeu dans un centre commercial très fréquenté, ce centre permet d'établir des relations par le biais d'activités créatives. ArtSpace est ouvert toute la semaine et s'associe à différents groupes, comme les écoles, pour proposer ses activités aux enfants. L'objectif du centre est de faire prendre conscience à la communauté que le centre est présent pour apporter une bénédiction aux personnes des environs. Êtes-vous inspiré pour faire votre part pour atteindre un groupe particulier de votre ville? Il y a les étudiants universitaires, les sourds, les jeunes parents, les soignants, tous ceux qui peuvent bénéficier de votre interaction avec eux. Visitez le site missiontodecity.org pour trouver des ressources et d'autres idées sur la façon dont vous pouvez utiliser vos compétences et talents pour atteindre les habitants de votre ville. J'espère que l'étude était bonne. Et maintenant, c'est notre moment à pouvoir partager ce que nous on a, avec ce qu'on peut, ce qu'on veut. Donc, je vous invite à ouvrir nos cœurs aussi, et peut-être nos poches, pour pouvoir donner, rendre à Dieu un tout petit peu de ce qu'il nous a donné à travers les offrandes. Donc, j'invite les diacres à passer dans les rangs.
Je vous invite à prier ensemble et incliner notre tête pour faire la prière. Notre Père, Seigneur, merci pour ce jour du sabbat. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que tu nous as guidés, nous as accompagnés dans l'étude de ta parole. Seigneur, tu connais nos tristesses, nos joies. Tu connais les besoins de ton Église. Et tu connais l'envie qu'on a de partager ta parole. Seigneur, bénis ces offrandes pour qu'elles puissent être remplies et qu'elles puissent arriver aux gens qui ont vraiment besoin pour pouvoir proclamer ta parole. Reste avec nous, reste aussi avec tous ceux qui sont dans les besoins, avec tous tes enfants partout dans le monde. Seigneur, reste aussi avec nous dans la continuation de notre étude, dans nos services de ce matin, et aussi avec tous ceux qui sont dans leur famille, Seigneur. Je t'en prie, pas parce qu'on le mérite, sinon en ton nom. Amen. Je vous souhaite une très bonne sabbat et je vous invite sabbat prochain à 9h15 pour notre école du sabbat. Et tous ceux qui ont envie de continuer l'étude, c'est après-midi à 5h pour aider plus. Très bonne sabbat à tous. Nous sommes bien ce matin dans la maison de notre Dieu, heureux à la perspective de vivre ensemble ce temps de louange et d'adoration, surtout après cette longue période de vacances, de détente et de séparation. Nous espérons que tous nos accompagnateurs internautes ont également bénéficié de périodes de détente durant cet été et nous les accueillons avec joie, ainsi que les visiteurs qui se joignent à nous pour vivre ensemble ce moment. Je vous invite à prêter attention aux annonces qui suivent. Ce matin, nous accueillons chaleureusement notre président de fédération, Daniel Monachini, pour la raison que vous devinez et nous l'entendrons durant la prédication. La responsable d'ADRA me prie de vous dire que son service sera ouvert aux horizons dimanche prochain, le 10 septembre, de 9h à 11h30. Ensuite, je donne la parole à Pierre pour qu'il nous parle de la dernière lettre de l'ACAT. Bonjour à chacune et à chacun et bon sabbat. Je vous présente donc l'appel mensuel de l'ACAT. Pour ce mois-ci, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Si vous suivez un peu les actualités, et si vous avez quelques années, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières décennies au Congo. Enfin, en République démocratique du Congo, que ça s'était calmé, mais que malheureusement, les batailles, je ne trouve pas mes mots, veuillez m'excuser, mais enfin, tout cela a recommencé. La reprise du conflit, nous dit-on, entre le M23 et la RDC, fin novembre 2021, a gravement détérioré la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et de graves violations de droits humains ont été commises, dont le massacre de Kishishe, durant lequel, en novembre 2022, au moins 171 civils ont été exécutés par les rebelles du M23.
Le 18 mai 2023, la ministre congolaise de la Justice a adressé au procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, une demande de renvoi de la situation du Nord Kivu du 1er janvier 2022 à ce jour, aux fins des poursuites des responsables de la coalition Rwanda Défense Nord, mouvement du 23 mars, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres crimes relevant de la compétence de la CPI. Ce renvoi a été accompagné de divers rapports venant notamment des Nations Unies. Le procureur de la CPI, en date du 15 juin 2023, a indiqué procéder à un examen préliminaire de cette demande. Il a rappelé publiquement que tous les crimes allégués commis dans le cadre de la situation par toute personne indépendant ou de son affiliation ou de sa nationalité seront analysés. Une manière diplomatique d'indiquer aux autorités congolaises l'indépendance de la CPI, dans ses enquêtes concernant les responsables présumés de crimes qui pourraient faire l'objet de poursuites. Les responsables des exactions commises dans le Nord Kivu devaient, depuis le 1er janvier 2022, doivent rendre des comptes devant la justice internationale. À cet effet, la France soutient indéfectible du travail mené par la CPI et troisième plus important contributeur au budget de cette instance, devrait, comme elle l'a fait pour le dossier ukrainien, mettre à sa disposition des magistrats, des enquêteurs et des experts afin de permettre au procureur de mener son enquête en RDC dans de meilleures conditions. La France devrait également apporter à la CPI un soutien financier exceptionnel qui pourrait être complété ultérieurement en cas de besoin. La CAT nous invite à écrire à M. Emmanuel Macron, président de la République, pour attirer son attention et pour l'inviter à participer d'une manière plus efficace encore à un soutien financier afin de pouvoir mener les enquêtes et les procès éventuels. Je me tiendrai à la sortie pour vous donner les cartes qui sont nécessaires à ce courrier, pardon. Vous verrez que, comme nous écrivons à Monsieur le Président de la République, il n'y a pas besoin d'affranchir. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, vous pouvez, sur le site de la CAT, imprimer le texte qui correspond et vous pouvez l'envoyer par courrier à Monsieur Macron, et toujours sans affranchir. Voilà, c'est facile de manifester notre désaccord vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région de l'Afrique. Plusieurs d'entre nous avons eu le privilège de nous y trouver, de collaborer à l'œuvre du Seigneur. Et je vous encourage à participer modestement en acceptant d'envoyer ce mot au président. Je dois vous dire aussi que la reprise des activités de JA est pour le sabbat 23. Et donc cela se fera avec la traditionnelle cérémonie de passage pour les enfants qui changent de section. C'est aussi un peu mon rôle de vous dire que les travaux ont repris sérieusement cette semaine et progressent de façon appréciable, même si ça reste difficile pour dire définitivement quand ils cesseront. Et c'est vrai qu'il faut supporter cet inconvénient majeur qui reste l'accès limité aux sanitaires. Je vous rappelle que 3 toilettes sont disponibles dans la partie arrière du bâtiment. Toutes les 3 ne sont pas accessibles par les accès au sous-sol. Il faut obligatoirement ressortir, longer les travaux et ensuite entrer de ce côté. Il y en a 2, une du côté Salève, une du côté Genève, et il y a une 3e toilette, si vous avez le courage de monter les escaliers,
à l'entrée de la salle du conseil. Merci pour votre compréhension, votre patience, et à présent, préparons-nous à recevoir le Seigneur.
Bonjour à tous. Nous nous réjouissons de partager ce moment de culte avec chacun de vous qui êtes présents ici et aussi avec chacun de vous qui nous rejoignez sur Internet. Je vous invite à vous recueillir avec moi pour remercier Dieu de sa présence avec nous et à l'inviter à ouvrir nos cœurs pour être réceptifs à l'action de son esprit. Je lirai dans le début du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours.
Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Chantons ensemble, je n'ai que toi. Si les océans se déchaînent, il est avec moi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es moi. Thank you.
À l'époque de Néhémie, le peuple de Dieu est invité, hommes, femmes et enfants, à une lecture publique de la parole. Et on peut lire dans Néhémie chapitre 8, « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. C'est le moment de la prière. Je vous invite à prendre la position qui vous convient. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège d'être ici, de vivre ce sabbat, ce temps de grâce, ce temps d'accueil, sachant que ailleurs, pas loin de nous et dans plusieurs endroits, des frères et sœurs n'ont pas cette possibilité de se réunir, de vivre ce temps de communion. Et aussi d'autres seigneurs vivent dans des zones où il y a de la guerre, de la violence, des difficultés. D'autres personnes aussi, Seigneur, sont devant des défis, des stress, des angoisses. Seigneur, nous avons cette certitude que c'est toi qui domines les circonstances et les temps. C'est toi, Seigneur, qui apaises les tempêtes comme on vient de le chanter. Seigneur, nous voulons maintenant s'accrocher à tes promesses. Veille, Seigneur, répondre sur nous ton esprit. Dispose nos cœurs, que hommes, femmes et enfants puissent, Seigneur, nous puissions être à l'écoute de ta parole. Notre prière, Seigneur, est pour ceux qui vont proclamer cette parole, afin que tu puisses, Seigneur, mettre les mots qui juste et qu'il puisse, Seigneur, nous porter, nous encourager tout au long de ce culte, mais aussi que nous puissions aussi être des témoins vivants de ta grâce à l'extérieur. Bénis chacun de nous ici présents, ceux qui nous suivent par Internet, bénis, Seigneur, nos familles. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. J'invite à tous les enfants à venir devant s'il en reste encore.
Bonjour les enfants. J'ai pas entendu. Merci. Je vais vous parler l'histoire du petit Patrick. Vous connaissez ce petit garçon ? Petit Patrick, ce Patrick, il a vécu il y a bien, bien longtemps, à la fin de l'Empire romain. C'était un temps dangereux, un temps d'insécurité, un temps où il y avait beaucoup de pirates qui kidnappaient des enfants comme vous pour les revendre. Est-ce que vous pensez que la vie de Patrick était dangereuse ? Ah ben non, la vie de Patrick était très confortable. Son grand-père était pasteur et son père était collecteur d'impôts ainsi que diacre. Il avait même des servants et des esclaves. Il avait une vie confortable, mais un jour, tout cela a changé. Vous savez ce qui s'est passé, les enfants ? Il s'est fait kidnapper par des pirates. Il y a des pirates qui sont arrivés dans son village et ils l'ont attrapé. Il était dans un bateau avec d'autres personnes qu'ils avaient attrapées. Il avait froid, il avait peur. C'était des pirates irlandais qui l'avaient attrapé. Ils avaient des barbes blondes, des barbes rousses. Ils parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas. Il avait très, 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 très peur, les enfants. Ils avaient attrapé tout le monde. Et d'un coup, ils l'amenèrent dans un marché aux esclaves. Vous savez ce que c'est un esclave, les enfants ? C'est quoi ? C'est quoi ? Son esclave et il travaille pour lui. C'est à peu près ça. C'est lorsque vous êtes attrapé, vous êtes esclave, vous travaillez pour un maître. Vous ne contrôlez plus votre vie. Il y a un maître qui est derrière vous qui décide quand vous allez aux toilettes, qu'est-ce que vous faites, à quelle heure vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez manger. Et le petit Patrick qui avait une vie confortable et qui était à peine plus âgé que vous, d'un coup, il avait un maître qui lui disait quoi faire. Mais il avait quelqu'un qui pouvait toujours le réconforter dans ces moments. Et vous savez qui c'est ? C'est Dieu. Parce que même dans ces moments où il avait froid, où il était dans un pays qu'il ne connaissait pas, il priait à Dieu et Dieu le réconfortait. Année après année, il parlait à Dieu jour après jour. Jusqu'à un jour, Dieu lui expliqua, il est temps que tu partes. Alors le petit Patrick s'enfuit. Mais il avait peur, car s'il était attrapé, il pouvait perdre sa vie. Alors il demandait à Dieu et Dieu le guida à travers les forêts et les rivières. Et il reprit un bateau et il put rentrer chez lui. Et lorsqu'il retrouva ses parents, vous savez comment étaient ses parents ? Ben, ils étaient contents, ils l'ont embrassé, ils lui ont fait des câlins, ils lui ont fait des bisous, ils ont fait une grande fête. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Non. C'est que Patrick, il grandit maintenant et c'était un adulte. Et maintenant, il lut la Bible de manière approfondie. Et d'un coup, Dieu lui envoya des rêves comme quoi il devait retourner en Irlande. C'était le pays où il a été kidnappé et vendu comme esclave, mais il devait y retourner pour parler de Jésus-Christ. Car dans ce pays, à cette période-là, à la fin de l'Empire romain, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient des faux dieux. Et du coup, Patrick, il voulait vraiment retourner dans ce pays pour parler de Jésus-Christ. Et il parla de ça à sa famille, à son église. Et vous savez qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit que c'était une très mauvaise idée, qu'il était complètement fou. On lui a dit, tu ne vas pas retourner dans ce pays où tu as été esclave pour parler de Jésus-Christ. Ils vont te tuer. Tu as déjà failli perdre ta vie. Mais lui, vous savez ce qu'il a fait ? Il est quand même parti. Il est quand même retourné en Irlande. Non, il n'a pas écouté sa famille ni son église. Mais il a écouté Dieu, les enfants. Et c'est le plus important. Et il repartit en Irlande et il parla de Jésus-Christ à tous les Irlandais. Et les Irlandais, ils découvrirent Dieu. Il y a une légende qui raconte, alors qu'il se trouvait devant le roi d'Irlande, il prit un trèfle à trois feuilles. Vous savez ce que c'est un trèfle à trois feuilles ? C'est ça. J'ai combien de trèfles là ? Non, j'ai un seul trèfle, les enfants. Il y a combien de feuilles sur le trèfle, les enfants ?
3. C'est une seule plante, les enfants, et il y a un seul. Il y a trois feuilles. Et il prit le trèfle à trois feuilles comme ça devant le roi d'Irlande. Et vous savez pourquoi il prit ce trèfle à trois feuilles devant le roi d'Irlande ? Parce qu'il dit, il expliqua au roi d'Irlande, il y a une seule plante, mais il y a trois feuilles. Une feuille qui peut représenter le Père, une autre qui peut représenter, c'est ça, le Jésus-Christ, et une qui peut représenter le Saint-Esprit. Et à ce qui paraît, sa prédication, elle a tellement eu de succès que jusqu'à aujourd'hui, le symbole de l'Irlande, c'est un trèfle à trois feuilles. Et les enfants, tout ça, cette histoire, si je vous l'ai racontée, c'est pour vous dire, peut-être, quand vous grandirez, il y aura vos parents ou peut-être des amis qui vont dire que vous êtes fous. Mais si Dieu est avec vous et si vous êtes ancré en lui, vous pouvez faire de très grandes choses. Et vous pouvez retourner à votre place, les enfants. Bonjour, je vous invite à lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon sabbat. Et avant de prendre un temps pour revenir sur ce psaume très connu et probablement mémorisé par certains et certaines d'entre vous, je voudrais dédier, nous voudrions tous ensemble, j'espère, dédier un temps particulier à l'accueil du nouveau pasteur et de la nouvelle famille pastorale qui accompagneront votre communauté à partir déjà de ce mois de septembre. Alors je me permets, peut-être pendant qu'ils se préparent et qu'ils me rejoignent, je me permets de vous remercier parce que nous avons eu écho de toute la fraternité, de toute l'amitié, de toute la tendresse qui a été exprimée à Claude et Agnès Pélissère lors de différentes rencontres du mois de juin, pour le saluer, pour le remercier, pour lui exprimer toute votre reconnaissance. Et laissez-moi en cela vous exprimer aussi notre reconnaissance comme fédération, parce que c'est particulièrement touchant qu'une communauté prenne le temps d'accompagner, de saluer, d'exprimer son affection, sa tendresse fraternelle, même quand parfois, et ça arrive, on n'a pas toujours été d'accord sur certaines décisions, sur certains choix, mais la fraternité reste, est profonde, est essentielle, et merci pour tout ce qui a été partagé. Laissez-moi aussi remercier, avant de dire quelques mots sur Florian, Marielle, je n'ai pas encore vu, Lila et Ami,
Quelques mots de remerciement aussi à ce lieu tout particulier qui nous accueille, qui est bien sûr le campus. Je tiens à remercier le président du campus, Jean-Philippe Lehmann. Je tiens à remercier le doyen de la faculté de théologie, Gabriel Monet. C'est aussi en bonne intelligence avec eux que nous avons cherché la personne et la personnalité qui pourrait vous accompagner. Bien évidemment, je remercie aussi notre collègue qui, peut-être un petit peu plus tôt que prévu, ainsi que sa famille, ont laissé les églises de Grenoble et vous ont rejoint pour ce beau défi et ce beau ministère. Nous le savons, vous le savez tous, que c'est quelque chose d'assez délicat, l'alchimie qui vous touche ici, où, bien évidemment, il y a une communauté de vie, de foi, de prière, d'action, mais il y a un lieu de formation, de qualité, un lieu d'éducation, un lieu qui rayonne dans toute la francophonie au travers non seulement de la faculté de théologie, mais voilà, des différents instituts et de l'école ici à Collonges. Et donc, c'est particulièrement délicat de trouver le bon mélange. Maintenant, Florian est non seulement un pasteur très respecté dans notre fédération, il avait une licence de psychologie avant de commencer des études en théologie. Ce n'est pas pour ça qu'il deviendra le psychologue de tout le monde, on est d'accord, hein. Voilà, je suis attentif, on sera à l'écoute, on gardera un œil. Mais il a été pasteur à Bordeaux, il a été pasteur à Grenoble, il est responsable adjoint du département de la jeunesse, de l'éducation à la fédération. Et donc, voilà, c'est quand même riche d'une expérience diverse qu'il nous rejoint, qu'il vous rejoint, qu'il rejoint ce beau projet de fraternité, d'église, mais aussi de formation, de service, ici, dans ce lieu, sur ce campus. Vous aurez certainement le plaisir aussi de découvrir toute la famille, je n'ai pas de doute. Vous découvrirez tous les talents aussi de Marielle. Et la spontanéité des demoiselles. Je suis même étonné qu'elles se soient prêtées au jeu de venir sur l'estrade. Merci les filles. Bravo, bravo, bravo. Autant pour le collègue, ça reste dans l'obligatoire, pas pour la famille, bien évidemment. En tout cas, c'est un moment que nous tenons à marquer par un temps de prière spécial, parce que c'est un temps un petit peu fragile, un peu délicat, un temps de changement, un temps où on se réapproprie l'un à l'autre, on se comprend, on se découvre, et on découvre aussi rapidement parfois les limites de l'autre. Et donc, ça peut créer parfois des petits moments de désenchantement, mais encore une fois, la fraternité, la volonté de service et l'esprit de mission est là et règne. Et donc, nous voulons nous en remettre à celui qui dirige la mission et à celui que nous suivons, que nous aimons, qui nous guide, qui nous soutient, qui nous nourrit et qui pourra bénir, nous en sommes sûrs, cette belle collaboration qui va naître entre vous. Alors simplement, je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. On va rester debout, hein. Pas se mettre à genoux, galipette, non, je dis reste debout. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce temps tout particulier de début d'année, de changement, Seigneur, de famille pastorale, ce temps tout particulier aussi dans la vie d'une communauté, la vie d'une école, bien sûr. Nous voulons, bon et tendre Père, nous en remettre à ta grâce, à ta grandeur, à ta présence, à ton aide, à la puissance tendre de ton Esprit Saint qui s'exprime, s'incarne, accompagne nos choix, nos décisions, nos caractères, nos vies, nos projets. Bon et tendre Père, Collonges est un lieu de rayonnement, de formation. Collonges est un lieu où on apprend, on grandit. C'est un lieu, Seigneur, aussi de témoignage. C'est un lieu de bienveillance, d'accueil, de fraternité. Et nous savons que le rôle du pasteur qui doit accompagner, conseiller, parfois guider l'ensemble de ses choix est délicat, Seigneur, et est un rôle sensible. Nous voulons le remettre entre tes mains. Nous voulons remettre chacun, chacune entre tes mains, remettre l'ensemble de l'Église et de son pasteur, cette famille chrétienne qui se construit, qui vit, qui se découvre, qui s'apprécie, et qui, ensemble, acceptent le défi de prêcher ton nom,
au monde, d'apporter, Seigneur, et d'incarner ta présence, et aussi de témoigner, non seulement du salut, mais de ton prochain retour. Alors nous invoquons, Seigneur, humblement, mais parce que tu nous as dit de le faire, eh bien ta présence, ta bénédiction, ton esprit, sur chacun, sur chacune, au nom de Jésus. Amen. Je te laisse la parole un peu. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Je voulais vous remercier tous de l'accueil qu'on a reçu. Merci parce que, bien, comme certains le savent, il y a quelques petits désagréments sur la maison pour l'instant. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont permis à ce qu'on puisse être logé avec un toit. Et ça, c'est quand même, dans les temps qui courent, important. Donc, merci à tous. C'est aussi avec joie qu'on est là. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a une petite tristesse quand même, parce qu'on était bien à Grenoble. On était heureux là-bas. On était heureux à Bordeaux aussi. Et donc, on imagine bien qu'on sera heureux aussi ici. On est en tout cas content de pouvoir ici servir dans cette belle institution et de pouvoir contribuer au rayonnement de cette église dans la francophonie, mais aussi en local ici. Et donc, ben voilà, j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de Collonges, ce bel édifice qui est ici, qui est en travaux en ce moment, mais en tout cas qu'on voit un peu plus loin que juste le bâtiment, mais le rayonnement de cette belle communauté. Alors merci de cet accueil. Et puis que le Seigneur puisse nous conduire, nous inspirer. Je ne vous cache pas non plus que ça fait quelques mois que je prie quand même pour cette prise de poste ici en tant que pasteur à l'église de Collonges. Merci à tous. C'est un pasteur qui commence tout de suite, si vous voulez, à s'identifier à sa communauté, puisque votre bâtiment est en travaux et la maison pastorale est aussi en travaux. Donc, vous aurez pendant quelques semaines, nous l'espérons, un pasteur nomade. Donc, accueillez-le avec bienveillance et si vous le voyez arrêté par la gendarmerie, témoignez en sa faveur, nous vous en remercierons. Le psaume 23 qui vous a été lu est un classique, je pense, dans votre vie d'études, dans votre vie de prière, dans peut-être ce que vous avez dû mémoriser enfant. À l'époque, je pense que c'était au niveau des explos, on nous demandait de mémoriser le psaume 23 pour un des passages, et parce que c'était, je le retiens encore aujourd'hui, très important de pouvoir ancrer dans son cœur et dans sa mémoire la parole de Dieu, les mots de la parole de Dieu, et de les utiliser parfois, j'aime beaucoup cette expression aujourd'hui utilisée par certains savants, sages, neuropsychiatres, ce sont des mémoires auxiliaires. Quand notre propre mémoire personnelle ne suffit plus, quand notre propre expérience de vie ne génère plus suffisamment de ressources, la parole peut être cette mémoire auxiliaire où puiser des ressources, du réconfort, l'envie d'aller de l'avant et de l'espérance. Le psaume 23 ne nous appartient pas, bien évidemment. Vous savez qu'il est utilisé dans le judaïsme pour la préparation du repas du Shabbat, dans beaucoup de traditions. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, on l'utilise pour la préparation de l'Eucharistie. Vous savez que dans beaucoup de monastères, il fait partie des offices des matines. Et vous savez aussi que c'est le texte qui est le plus recommandé par l'Église catholique, mais pas seulement, pour le moment de deuil et de séparation. Pour moi particulièrement, il est très attaché à mon histoire personnelle parce que mon père, lors de la préparation de son enterrement avec son pasteur, qui était votre pasteur, Henri van der Wecken, sachant que le départ était proche, lui a dit « prépare le psaume 23 ». Travaille le psaume 23 parce que mon père, qui était communiste et qui avait abandonné le parti, trahi peut-être pour certains partis, savait que lors de cet enterrement, il y aurait ses anciens camarades qui viendraient. Et donc, il avait ce côté très pratique en disant, écoute, on ne va pas faire une cérémonie dans les larmes et désespoir. Hein. Tu les as là, ne les rate pas. Profite
c'est de l'évangélisation. Parce que quand est-ce que tu vas pouvoir asseoir ces dizaines d'athées militants sur les bancs d'une chapelle? Peut-être jamais. Donc, profite. Et Henri me disait que dans la préparation de cette cérémonie, ça a été sur le psaume 23 que s'est porté le regard de mon père et qu'ils ont pu ensemble voilà, le commenter, y réfléchir afin que ça soit le texte central de l'homélie. Donc vous comprenez qu'effectivement, il est très lié quelque part aussi à mon parcours personnel et à ce que je perçois comme un héritage de la parole de Dieu, mais aussi un héritage familial. Et ce psaume fait partie, peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous, et parfois j'aime malgré tout à le dire, de ces textes que certains d'entre nous, peut-être pas tous, mais honnêtement, voilà, j'ai envie de dire, ça marche bien et ça fait des économies chez nos médecins et nos psychologues. Peut-être certains d'entre vous, comme moi, ne dorment pas bien la nuit et se réveillent parce que, voilà, on pense à la journée, aux défis, aux problèmes, aux aléas. Je ne sais pas comment vous faites pour vous rendormir. Alors, il y en a qui essayent d'allumer leur télé, leur téléphone ou leur tablette, et là, vous savez que là, c'est fini. Hein. Vous ne vous rendormez pas. Hein. Mais je teste depuis un certain nombre d'années, et ça marche franchement assez bien, d'avoir mémorisé une série de textes bibliques, et le psaume 23 en fait partie. Alors, en même temps, je fais de la cohérence cardiaque, petit clin d'œil pour Franck Païta, qui est le responsable du département de santé de notre fédération. Et ça m'apaise. Et je ne suis pas le seul, je pense que certains d'entre vous en ont déjà témoigné, ça nous apaise, ça nous tranquillise, ça permet de recontrôler un petit peu son corps, ses émotions, et de puiser dans notre mémoire cette parole qui s'inscrit en nous et qui intervient comme un baume, une consolation dans les moments un peu complexes. Et le début d'une année est un moment avec beaucoup de défis, alors voilà un petit remède pas cher, précieux, mais qui fonctionne, je pense, assez bien. Quelques remarques sur le texte qui m'ont interpellé, qui m'ont fait réfléchir, qui m'encouragent avant tout. Vous connaissez donc, je ne vais pas tout le relire, ce magnifique psaume, cette très belle prière ou ce beau cantique. Hein, l'ensemble est vrai, on peut en faire différentes choses, il était pensé comme différentes choses. Vous savez avant tout que, et ça a été une belle découverte pour moi, David n'est pas le premier à utiliser le terme « berger » pour parler de l'Éternel. Le premier, apparemment, mais je continue mes recherches en saluant mes professeurs, certains sont là, vous voyez que vous avez plasmé en nous cette envie de continuer à creuser. Je pense que c'est Jacob dans Genèse, au chapitre 48, verset 15, quand il est en train de bénir les enfants de Joseph, un moment très intime, un moment important, familial, il pose les mains sur Éphraïm et Manassé, et devant son fils, en touchant ses petits-enfants et en transmettant cet héritage, il parle et il invoque. Le texte dit dans nos Bibles, l'Éternel qui l'a conduit. L'original dit, l'Éternel qui l'a fait paître. Le berger qui l'a amené, conduit, dirigé toute sa vie vers des lieux paisibles et vers des lieux de ressourcement. Jacob n'est pas le seul. Vous trouvez, notamment dans Ézéchiel, ça nous permettra de faire un petit clin d'œil et un premier appel à la conclusion qui va arriver, parce que je sais que la rentrée est là, à la fin du psaume qui semble avoir une portée eschatologique, et vous avez Ézéchiel 34, ce passage magnifique, alors on ne le relira pas, comme ça je vous laisse un peu de devoir pour la maison, hein, peut-être cet après-midi ou ce soir, c'est bien de commencer à se remettre près un peu de farniente peut-être. Dans ce texte, c'est de voir comment le prophète parle de l'Éternel comme d'un berger qui cherche les brebis perdues d'Israël, qui les ramène, qui les console, qui les soigne, qui les guérit. Le prophète utilise cette terminologie dans ce sens eschatologique, hein, du temps de la fin, de cette attente, de cette promesse, mais dans une terminologie pleine de tendresse, pleine de mansuétude, pleine de cette affection qui nous interpelle et qui est si belle, si proche de ce que David ici nous transmet. Pierre, dans la première épître, nous parlera de l'attente du souverain berger. Vous vous rappelez que ce texte, quand il paraîtra le souverain berger. Et on a là aussi cette forte
charge eschatologique. Maintenant, quelques remarques que vous avez peut-être déjà faites, mais je les partage avec vous parce qu'elles m'interpellent, elles nourrissent ma réflexion, ma prière et ma perception, ma compréhension de l'Éternel qui veut nous accompagner. Le psaume commence avec ces deux premiers versets où David nous parle, où David parle en décrivant les bienfaits, les bontés, la présence de l'Éternel. Il me fait coucher auprès de ces herbes, de ce repas, de ces pâturages. Il me conduit, il me guide, il me fait revenir. Et puis nous avons, à partir du verset 4, cette expression assez intéressante où l'étude des pronoms personnels nous amène à un dialogue assez intéressant. Même quand je traverse la vallée de l'obscurité profonde, je ne crains pas, car... Et on pouvait très bien continuer, vous êtes d'accord? Ça ne crée pas de dissonance. Il est avec moi. Non. Car tu es avec moi. David parle au Seigneur devant nous. David parlait du Seigneur avec nous. David parle au Seigneur devant nous. Car tu est avec moi. Je crois dans des vérités éternelles, universelles, crues par peut-être ma famille, en tout cas ma communauté, nos communautés, le christianisme, les croyants au travers des siècles. Je crois dans ce Dieu bienveillant, je crois dans ce Dieu bon, je crois dans ce Dieu qui prend soin de nous. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est plus suffisant de croire simplement dans des définitions et dans des concepts. Tu es avec moi. Il y a quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, quelque chose de profond qui se construit, quelque chose qui n'est plus juste... Je récite 28 croyances fondamentales, vraies, solides, bibliques. Je m'approprie une relation. Je construis une relation. Je soude peut-être une relation dans la difficulté, dans le drame, dans l'erreur parfois. Parce que la vallée de l'ombre, parfois David s'y est retrouvé de par les circonstances. La persécution de Saül, les nombreuses guerres qu'il a dû traverser. Parfois David s'est retrouvé dans cette vallée de par ses choix, de par ses erreurs, de par ses échecs. Et étonnamment, quelles que soient les circonstances qui l'ont amené dans l'ombre, il n'y était pas seul. Il a découvert cette présence du Seigneur avec lui. Et vous voyez que par la suite, et je rends un petit peu hommage au travers des pronoms personnels à voilà, tous les enseignants, les professeurs de français qui ont pris, perdu, en tout cas engagé du temps avec moi et de l'énergie pour m'apprendre la langue française. Je rends hommage voilà, à ma fille, professeure de français aussi, qui est là. Il, je, tu. Par la suite, il y a ce « tu ». Tu installes ton bâton, ta houlette. Le parcours dans cette perception, cette compréhension, ce cheminement avec Dieu ne peut pas être simplement un héritage, un idéal rationnel que j'accueille, qui est fondé, et c'est important, je peux le contrôler, l'étudier, l'approfondir, mais il y a un moment où je dois le vivre et l'expérimenter, où toute ma vie... mes émotions, tous les aspects les plus complexes, sombres de ma personnalité parfois, et certaines des erreurs, des échecs de David, doivent se retrouver dans cette intimité, dans cette confession, dans cette reconnaissance de qui il est pour lui. Deux éléments que j'ai découverts aussi et qui m'ont beaucoup interpellé, c'est que nos traductions, et voilà, l'effort des traducteurs est louable, il est tellement complexe, peut-être ont... de par les traditions, voulu nous transmettre quelque chose qui, pour certains, devient presque un talisman. Hein. Je ne manquerai de rien et je ne crains aucun mal. J'étais très étonné de découvrir dans le texte original, il n'y a pas rien et il n'y a pas aucun. Alors, ce n'est pas une erreur de les placer. Attention, voilà, pas l'autorité de vous dire gratter dans vos Bibles. Hein. Je ne manquerai pas. Et pas « je ne manquerai de rien ».
et je ne craindrai pas, et pas je ne craindrai aucun mal. Pourquoi ? Parce que David, il sait aussi ce que c'est que le mal, et il sait que le mal le frappe, que le mal nous touche, que le mal nous affaiblit, nous attriste. David, il a perdu un enfant, vous vous rappelez ? David, il a commis des erreurs, des échecs. David, il s'est retrouvé dans la situation presque impensable, invivable, où son fils, celui sur lequel on pouvait placer combien d'attentes, brillant, Absalom, intelligent, trop peut-être, très pressé, a réussi à semer le doute sur l'autorité de son père dans le peuple, auprès de la classe sacerdotale, auprès de l'armée aussi, à tel point qu'il veut précipiter les choses, prendre le trône de son père, et que David se retrouve obligé de fuir son palais et Jérusalem. Devant qui cette fois ? Pas devant un Amalécite quelconque, un Philistin ou ce que vous voulez, devant ton fils. Ton fils. Quand vous relisez ce texte assez touchant, il y a cette tendresse extrême de David qui parle à Joas, qui va aller combattre Absalom et les enfants d'Israël. Vous vous rappelez ce texte où David va dire « Pour l'amour de moi, épargnez Absalom. » Le Joas qui avant a dû secouer David en disant « Maintenant, oui, il y a un drame familial, frère, hein, mais il faut te réveiller. Là, c'est tout qui s'effondre. C'est le peuple, c'est l'État. C'est notre compréhension du peuple d'Israël. C'est notre élection, peut-être, qui s'effondre. Que va faire Absalom ? Comment il va guider le peuple ? Est-ce qu'il est choisi par Dieu, lui aussi, comme toi dans ton enfance ? Je me permets cette parenthèse sur son enfance et peut-être un autre devoir, vous ne m'en voudrez pas, c'est le dernier. 1 Samuel 16. Vous vous rappelez quand le prophète est envoyé par l'Éternel pour oindre un nouveau roi ? Un passage presque dramatique, parce que nous, on connaît David après. On connaît les décennies, presque les 40 ans de règne, et on l'apprécie malgré tout. Mais dans ce moment de choix, c'est, on a envie de dire, c'est presque comique, mais ça ne l'est pas. Samuel va voir Isaïe, rappelez, le père de David, et dit « Viens avec tes fils, parce qu'il doit choisir. » Voilà. Et donc, il vient avec 7 fils. Alors, il y a le premier qui arrive, c'est Eliab, apparemment carrure de joueur de rugby, pour voilà, le rugby en France, ce serait très très chouette. Là, le prophète, il a beau être proche du Seigneur, il se dit, c'est celui-là, c'est bon, avec celui-là notre tête. Et vous vous rappelez le Seigneur qui dit non, pas lui, et pas le suivant non plus, et pas les autres. Et il y a une chose qui m'interpelle et qui m'interroge, et peut-être dans la vie on a pu vivre ça d'une façon ou d'une autre, c'est le prophète qui se tourne vers Isaïe et qui lui dit, je crois qu'il y en a qui vont se remémoriser la phrase, hein, il n'y en a pas un autre. Mais vous, on doit vous rappeler combien d'enfants vous avez. Alors, moi, en tant que père, parfois, ça m'est arrivé, mais à coup de pas, en allant chercher les enfants à l'école, en parlant avec les autres parents, en plus, j'en ai que 2, je ne peux pas en vouloir à Eliab qu'il y en avait 8, du coup, ça m'est arrivé que j'en avais un et que je ne savais pas où était l'autre. C'est jamais arrivé à ma femme, bien évidemment, je dois le reconnaître. Mais c'est le prophète qui doit interroger pour dire qu'il n'y en a pas un autre. On te dit, viens avec tous tes fils. Tu sens qu'il y a quelque chose de grand qui va se dérouler. Hein. Parce que là, vous faites l'appel et vous êtes certain que l'équipe, elle est là. Hein. Et c'est un étranger qui t'interpelle et qui te dit. Et le terme me travaille parce que le papa dit, il reste le petit. C'est que le terme veut dire aussi, c'est un peu dramatique, l'insignifiant. Il reste le petit qui s'occupe des troupeaux. Peut-être un jour, vous avez été l'insignifiant, le petit qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas calculé. Peut-être ça nous arrive dans X circonstances de la vie. Le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il savait. Le Seigneur, il attendait et il pressentait déjà, il lisait déjà chez l'insignifiant. Et c'est seulement après que le nom arrive. On nous parle d'Eliab, on nous parle des autres grands frères, on les cite par leur nom. Ce n'est qu'après, verset 15-16, que le nom David apparaît. Même pas son nom, on parle de lui sans le nommer. Ça interpelle, ça veut dire quelque chose, ça interroge.
David sait très bien qu'il n'y a pas aucun mal qui peut nous toucher. David sait très bien aussi qu'il ne manquera pas de rien. Parfois je manquerai, parfois le mal me touchera profondément. Et dans ce récit d'Absalom, pour y revenir et terminer, c'est Joas qui secoue David pour lui dire « Maintenant, sors du peuple, réorganise l'armée, il faut combattre. » Mais malgré tout, malgré que David se reprend, vous avez encore une fois cette prière d'un père. « Oui, je suis roi d'Israël. Oui, j'ai amené ce culte, cette relation, cette amitié à Dieu est tellement précieuse pour moi. Comment conduire autrement le peuple? C'est lui qui a conduit ma jeune vie. » Mais par amour pour moi, épargnez-le. Par amour pour moi, le traître, épargnez-le. David sait ce qu'il en est de vivre ici, sur cette terre, dans ce grand conflit entre le bien et le mal, et de savoir que parfois le mal nous frappe, nous attriste. Mais David sait aussi qu'il ne manquera pas de cette présence, qu'il ne manquera pas de, et je trouve très touchant là aussi ces deux termes qui sont choisis dans le verset 6, nous avons comme traduction « bonheur et fidélité », l'original peut-être est plus proche de « bonté et de miséricorde ». David sait que l'Éternel est un Dieu miséricordieux. David a commis des erreurs, rappelons-nous. David a commis peut-être même de plus grandes erreurs que Saül dans son parcours. Une des grandes différences entre David et Saül, c'est que Saül n'est jamais responsable. Hein. C'est l'élève attrapé en train de recopier en classe et qui vous dit « D'abord, j'ai mon livre de leçons et il est ouvert à la leçon du... » Mais circonstance, c'est incroyable quand même. Enfin, je sais pas. David, il assume, David, il reconnaît. David, même dans ce drame, vous rappelez le psaume 51 avec Uri, Bathsheba, il dira « J'ai péché contre toi. Moi, j'ai péché contre toi, Seigneur. » La repentance, elle ne va pas commencer par d'autres. Il n'y a pas des circonstances atténuantes, peut-être il y en a, mais je vais déjà prendre ma part de responsabilité. Mes erreurs, mes échecs dans cette décision et dans ce choix, mon entêtement, mon aveuglement, c'est le mien et je l'assume parce que je sais que tu me pardonnes. Mais pour que ce pardon ait de la valeur, tu as besoin d'authenticité, de sincérité. Pour que ton esprit travaille en profondeur, je dois ouvrir les yeux et reconnaître où il doit œuvrer et travailler. David sait que différentes choses peuvent lui manquer. David sait que le mal peut le toucher, comme vous, comme moi. Mais il se confie dans cette miséricorde et dans cette bonté. C'est étonnant que lui qui utilise souvent comme souhait, comme attente, comme espérance dans ses psaumes le mot shalom, la paix, ne parle pas ici de paix. Parce que peut-être il pressent aussi ces 40 années de guerre, d'état de guerre qu'il va devoir imposer au peuple d'Israël. Et même si l'armée d'Israël rentre à Jérusalem victorieuse, il y a des épouses, il y a des enfants... Et il y a des mères qui pleurent. Un fils, un époux, un père qui n'est pas rentré. Parce que certains sont tombés lors de ces batailles, même victorieuses. Mais ce n'est pas la victoire pour tout le monde. Il y en a qui payent le prix de cette victoire. Cette paix, ce shalom, peut-on l'invoquer? Par contre, ta miséricorde et ta bonté seront toujours au rendez-vous. Non seulement toujours... C'est très étonnant qu'on trouve le tout premier Eusèbe de Césarée qui fait ce lien. Mais la longueur des jours dans la maison de l'Éternel, pour lui comme d'autres auteurs, ça pressent pas simplement la paix aujourd'hui, si vous voulez, la bonne décision de se mettre du côté du bien, moi et ma maison. Ça pressent l'éternité, l'infini, son règne. Cette belle, bienheureuse, joyeuse espérance de son retour et de ce royaume de justice, de paix, d'amour que nous attendons. Maintenant, parfois, et nous en sommes tous conscients, il faut traverser
la vallée de l'obscurité. Peut-être cette année, peut-être vous l'avez déjà traversée, peut-être vous y êtes. Ma prière, et je pense que la prière de David, c'est que cette conviction que la foi n'est pas un espèce de talisman qui nous protège, mais que cette miséricorde et cette bonté, quelles que soient les circonstances, elles sont à notre disposition et elles sont toujours et seront pour toujours avec nous. Amen. Nous recevons chaque jour les bénédictions du Seigneur et nous venons d'en recevoir encore par cette parole donnée, par ces moments de partage qu'on a tous eu aujourd'hui. Et nous voulons montrer notre reconnaissance en donnant nos dîmes et nos offrandes. Les diacres vont passer dans les rangs pour recueillir. Et pour ceux qui sont sur Internet, vous avez aussi toutes les coordonnées nécessaires pour pouvoir le faire de votre côté. Merci au diacre de passer. Nous nous lèverons pour la prière. Notre Père, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartiennent. Tu nous offres chaque jour, oui, une multitude de bénédictions,
de bénédictions spirituelles, relationnelles, matérielles. Ô Seigneur, en ce jour de sabbat, nous avons reçu de ta part. Merci pour les moments d'échange pendant les écoles du sabbat, pour la parole donnée ce matin, qu'elle puisse vraiment faire son œuvre dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique dans tout notre être et dans nos pensées. Seigneur, tu nous as permis ce matin de te rendre nos dîmes, nos offrandes, tout cela dans un esprit d'amour et de reconnaissance. Ô merci, Père éternel. Merci aussi de bénir de ton Esprit Saint, de bénir de sagesse aussi ceux qui les utiliseront pour le service auprès de l'Église, mais aussi pour continuer à porter la bonne parole, la bonne nouvelle du salut dans notre monde, qui en a tant besoin aujourd'hui. Conduis-nous chaque jour afin de participer à cette mission aussi de témoignage pour ta gloire, Seigneur. Sois béni pour ton amour, ta grâce, ton pardon incarné en Jésus-Christ, ton Fils, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Nous allons continuer avec le chant « Tenons nos lampes prêtes » qui va clore ce moment d'adoration, mais qui va nous permettre de continuer la journée, car l'Éternel est notre berger. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Thank you.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Bon sabbat à tous et bonne nouvelle semaine bénie. Vous pouvez vous asseoir.